Bah, essayons de mettre la cassette. Ah bah non, il n'y a pas de magnétophone ici. J'en ai pas vu, je crois. L'officier Russell témoigne. Comme l'a renseigné, le service de police, l'officier qui a mis fin à la de Madison, à la vie de Madison, je suppose, affirme qu'avant de mourir, la tueuse a supplié qu'on lui donne son appareil photo. Ah, mais c'était elle, la tueuse. Ok, j'avais pas compris ça. La femme de 43 ans est soupçonnée d'avoir pris des photos de ses victimes une fois mutilées. Cathédrale de Saint-Jupiter, l'église des horreurs. Après une longue série d'incidents, la cathédrale Saint-Jupiter voit de nouveau sa cote de popularité augmenter après confirmation de l'annonce d'une veillée en l'honneur de l'âme de la tueuse en série Madison L, qui a assassiné 4 personnes le mois dernier. La veillée sera publique et gratuite, et selon les dires du prêtre, ils chercheront à illuminer l'âme de Madison grâce à la lumière divine, lui permettant ainsi d'atteindre les portes du paradis. D'accord. Une femme sataniste de 43 ans a tué sa propre famille lors d'une cérémonie de sorcellerie. Ah ouais. Du coup, elle a pris des petites photos à l'intérieur d'un puits dans son sous-sol. Ok. Et la tueuse donc a été mortellement touchée à l'estomac par le policier, c'est ça hein. Ok. Sympathique tout ça. Ça, c'est la même chose, hein. Une balle dans l'estomac, ok, elle a reçu. Capturé, assassiné, jusqu'à 4 corps pourront être appliqués. 4 corps démembrés ont été retrouvés dans la maison de Elle. Apparemment, il y avait 4 victimes, sorcellerie ou maladie mentale. Des preuves de maladie mentale ont été trouvées à l'intérieur de la maison de Madison Elle, une femme de 43 ans, qui tentait apparemment d'accomplir un rituel sinistre impliquant le meurtre et le massacre de plusieurs personnes. La police a arraché la page. J'ai connu et j'ai que 22 ans. J'ai connu que j'ai que 21 ans. Oui, mais moi j'ai rajeuni, oui. Oui. Alors attendez, je suis perdu, ça y est. Faut pas oublier qu'on peut prendre des photos. Ah oui, j'ai une petite clé avec marqué J dessus qui ne m'a pas servi. Et je me demandais si c'était pas le tiroir qui est là-bas. Remélie, on en a appris un petit peu plus sur... on a ouvert une nouvelle porte. On en a appris un peu plus sur Madison L qui a tué des gens. Et voilà. Ah mais non, je peux pas mettre de clé ici. D'y entre. Ah ou alors c'est pour... J? Pourquoi J? J'horloge? J'horloge, vous pensez que ça marche? J comme j'horloge. La clé J. J'ai vu rien d'autre qui s'ouvrait avec une clé. C'est pas un magnétophone. Non. Nope. Ça, je peux pas utiliser de clé dessus. Donc c'est une fausse porte. Pas que j'oublie que je peux prendre des photos. Hein. Ah, ça, fallait le prendre en photo, non? Je pense que oui. Alors, je ne vois rien de plus sur la photo. Ah, si, il y a des symboles qui sont apparus. Est-ce que je peux regarder la photo de plus près? Ouais, il faut que je le fasse dans l'inventaire, c'est ça. C'est dommage qu'on puisse pas le faire directement... interagir manette. Alors... ouais, il y a des symboles qui sont apparus. On a une personne qui lève les mains en l'air en mode... Ouais. On a un 8... Ah non, c'est pas un 8, c'est le symbole masculin. Et on a une lune. J'ai pas vu d'endroit où je pouvais mettre des symboles comme ça. J'horloge. J'horloge. Ça, je peux le prendre en photo. Pourquoi j'ai les mains pleines de sang? Peut-être moi qui ai coupé une jambe. Final. Là, il me faut un truc. Ah, peut-être la clé, en fait. Non, alors J comme j'offre. Je coffre. Prendre, stocker. Lucas, ah. My notebook. Et je peux stocker des trucs là-dedans. Prendre, y a rien d'autre. Ok, je peux stocker des trucs dans le coffre. Très bien. Lucas.
interagir. Alors, la jambe de ma sœur. Ouais. Ouais, je sens qu'on devient fou comme Madison et que peut-être... Parce que là, du coup, notre personnage se rappelle pas ce qu'il a fait. Hein. Et on a retrouvé une photo de jambe et une photo de bras dans notre inventaire. Donc, le bras de maman. Oh. La tête de papa. Bah non, papa, on sait qu'il est vivant, on l'a entendu. On essaie peut-être de faire le même rituel que Madison, au final. Ouais, mais du coup, à quoi ça m'avance ? Ah, bonjour. Tête de papa, il est vivant, mais il a plein toute sa tête. Ah, c'est peut-être métaphorique, m'en parlant, alors. Ça me fait vraiment penser à Visage, quand même, le jeu. Hein. Le mood du jeu, en tout cas, me fait vraiment penser à Visage. En plus, il y avait un appareil photo aussi dans Visage, de souvenir. Pas Visage, était sorti avant. Hein. C'est quoi ce bruit? Il y a un bruit trop bizarre. Ah! Fuck. Quoi, fuck? This storm must have taken up the power. Ah merde! I think Grandpa had a generator in the basement. Oh, sous-sol! Mais pourquoi au sous-sol à chaque fois, bordel? J'ai pas envie d'aller au sous-sol. Ok, on va aller au sous-sol. Y'a des bouches chelous. It has no signal. Mais oui, oui, non, y'a pas de courant, je suis bête. Ah, ça doit être la chambre de papy, ça. Ouais. C'est un peu bizarre de mettre quand même une photo de soi. Au cas où, tu sais plus où est ta chambre, quoi. C'est là, le sous-sol? Oh, je vois rien. Non, ça... Je dirais plus que c'est les toilettes. Ouais, ça ressemble à des toilettes. Ma go le sous... Non, c'est une statue, c'est une statue. Oh, le bug. Mais... La maison ressemble grave à celle de Visage. Genre, je bug, j'ai l'impression que c'est les... C'est pas tout à fait la même map, mais quand même, quoi. Ça me fait bugger. Attends, je viendrai là après, quand on y verra quelque chose. Je pense que le sous-sol est par là. Ok. Utilise-y. Bah non, j'ai mis off. Attends, quoi? Oh non, ça sent l'énigme où on va rien comprendre encore. On. On. C'est quoi que je dois allumer, moi? Je ne sais pas. Encore un. Off. On. Merde. Off. On. Off. 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 On. Mais c'était off. Off. On. Off. 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 La magie de pif. Nan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 a. Voilà. Très bien. Waouh, il y a trop de pièces. Je suis inquiète. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mars, Jupiter. Ah, c'est des planètes, ok. Petit bruit de braguette. J'ai très envie de prendre une photo ici. Voilà. Je reconnais cet endroit. Non, mais on est d'accord, hein, la maison, il ressemble. Hein. Après, je dis pas que c'est la même map, hein, mais c'est juste que... Voilà. Non, en vrai, c'est pas la même map, mais... Les décors, etc. et tout, puis même les emplacements un petit peu, ça rappelle beaucoup les statues, comme ça, il y en avait une aussi, je crois, dans Visage. Alors, la salle de bain. C'est quoi ça? Tu vois, il va être bouché. Combinaison! Oh, right, 5 left, et il manque le reste. Ouais, il doit manquer un bout. Ne pas utiliser... What?
Le mec s'est dit... Ah mais j'ai un marteau. Le mec s'est dit c'est mes chiottes. Personne l'utilise. Marteau. Mais si le marteau... Si j'avais un marteau... Blue Knives is real. C'est quoi Knives? Il y a un truc qui a bougé. Hein. Je l'ai entendu. Je prends une photo parce que je vois rien. Rien. Genou bleu? Genou bleu. C'est verrouillé. On va en bouffer des énigmes, je le sens bien. Je le sens bien. Bah arrêtez de fermer les portes, ça suffit. Bonjour madame. Oh, il y a un petit... Lucky Cat. J'aimerais bien en avoir un, ça. C'est choupi. Grandpa dedicated his whole life to clockmaking. Okay, papy était horloger. Je comprends pourquoi il y a 15 000 à l'horloge dans la maison. Ok, ça c'est ma porte de sortie? D'accord, d'accord. Pourquoi il y a un tiroir sur le canapé? C'est un accident un peu trop odorant. Ouais bah attends, j'aime pas les chiottes quand même normalement. Quand même extrême hein, comme solution. Oula. Je viens de rentrer dans le mur et c'est passé quoi là? Alors là, il faut qu'on m'explique. Hein. Alors, je pense qu'on a collé plutôt notre oreille au mur, mais c'est fait de manière très étrange. Genre là, le bruit est moins fort. What? Il y a une trappe là-haut. I don't think I can reach that. It's too high up. Oh là 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 là. Il y a trop de trucs. Il y a encore une pièce. Bah attends, le salon, on y a été, non? J'avais loupé la cuisine. C'est verrouillé. Oh bordel. Après, c'est mes chiottes, c'est mes cookies. Tu bouffes pas mes cookies. Très bien. Oh. Ah, il y a un petit triangle. Transition baguette, bonjour. Bon, on explore la maison. Pour le moment, il y a beaucoup de trucs fermés, beaucoup de d'énigmes, enfin de codes et tout qui nous manquent. Beaucoup d'objets, un chiotte bouché, enfin pas bouché mais enchaîné. Ah, il y a un dessin là. Ok, terrifiant d'ailleurs. So nice, having both houses connected. Ah d'accord, ouais, bah ouais, j'avais pas compris. La maison de papa est connectée à celle de grand-père, ok. Ok, pourquoi pas. C'est terrifiant quand même. Qui a dessiné ça? J'espère que c'est pas moi, parce que... Mon dieu. C'est bruit par contre, à l'aide. Hein. Il y a encore une autre horloge. C'est pas pour ça que les triangulaires... Non, ça a pas l'air d'être ça. Alors bon, on va écouter la cassette. Il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi j'ai la cassette à côté de moi? Ça ne fait aucun sens. Il y aurait pas un bug? Ah, ça parle de démon. Ok, il y a eu la possession. Donc Madison était possédée sûrement. Je l'étais peut-être moi aussi. Ouais, ouais, la cassette, ouais, c'est pas normal, je pense.
C'est Papy qui parle? Non, c'est pas Papy. Ah non, c'était le prêtre. Aider le démon à atteindre son objectif. Genre, il faut faire ça. Will the demon leave of its own accord? Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use. Oh, c'est cool, parce qu'on peut bouger pendant que... Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs and already walks among us. In the first stages of possession, c'est long, Padre, hein. Tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, even violent. Papa pensait que j'étais possédé, bah c'était peut-être vraiment le cas, hein. Spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea. Putain, les maux de tête, j'ai eu mal à la tête la journée. Je suis possédé. Je pense que je suis possédé. To render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with par des hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects. Ah, comportement étrange avec les insectes. My advice, steer clear of the insects. Évitez les insectes. Ok. Ok, on nous a dit beaucoup de choses. I can't be possessed. Je peux pas être possédé. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Alors Lucas, je veux pas. Lucas, je veux pas t'inquiéter, mais déjà t'as les mains pleines de sang. Il y a deux photos. Une porte rouge, qu'est-ce qu'il raconte? What's happening to me? Ah, c'est très désagréable. Is this what that man was talking about? Ah, hallucination auditive. It can't be happening to me. Donc ouais, Lucas, je veux pas être défaitiste, hein. Mais entre les mains pleines de sang, les photos que t'avais sur toi, il y a des polaroïdes de partout, hein. De la jambe de ma sœur et du bras de maman, voilà. Plus le fait qu'il ne se rappelle de rien, plus le fait que mon père ait contacté le prêtre, etc. Donc voilà. C'est vrai, ça part du sous-sol. Porte du sous-sol. Donc voilà, le prêtre expliquait voilà, que si on était possédé, on peut devenir violent. Il y a un comportement étrange avec les insectes, donc faut rester loin des insectes, surtout des cafards apparemment. Et alors, chose très étrange, la première fois que j'entends ça, le prêtre conseille pour se débarrasser d'un démon, au lieu de l'exorciser, etc., c'est de en fait plier à ses quatre volontés. Ce qui est un peu bizarre. Ce qui est un peu très très bizarre. Le prêtre est peut-être un peu fou. Mais il n'y a pas de porte ici. La porte du sous-sol. Qu'est-ce qu'il... Eh mais je pouvais pas rentrer là-dedans tout à l'heure. Si ? J'ai pas essayé. Où vais-je ? Aïe. Oh bordel, on voit rien. Non, on voit rien. Hein. Il y a juste un placard. Mais je vois quand même rien. Ah, je suppute qu'elle est fermée. Évidemment. Est-ce que par la magie de la photo... Oui. Yes. Il y a des cafards d'ailleurs. Ah. Il y a eu un meurtre ici. Ok. What is this place? Alors ça, je pense que c'est une hallucination visuelle. What's wrong with me? C'est dégueulasse. Oh non, me dis pas que je vais pas avoir le truc qu'il faut.
Ah. Oh. Je pense que je n'ai pas le truc qu'il faut. Waouh, faut des codes. Ah, les symboles, je sais. Oui, oui. Ah, par contre, pour l'ordre, je sais pas. Qui va où? Ah bah si, celui du haut. Ah si, si, attendez. Celui-là, c'était... Ah, il y a que celui-là que je me rappelle pas. Si, c'était la lune. Oh, et la mallette. La molette, c'est pas pratique, les enfants. Voilà. Tac. Donc là, c'était la lune, ouais. Là, c'était le symbole masculin. Ce n'est pas pratique. Tac. Et là-bas, c'était la petite personne avec les bras en l'air. Est-ce que c'est ça? Il me faut quand même un objet! Oh, diantre. Merde. Attends, je me suis peut-être trompé pour ça. Hein. C'était un trident. Ah oui! Ah oui, bien, oui, bien joué. Bien joué. Marteau? Non. Mais il me faut quand même un truc. Chier. J'ai pas ce qu'il faut. Marteau, t'es sûr, hein? Oh, zut! Zut de flûte, j'ai pas loupé un truc. Bon, bah... Ah, il suppose que je reviendrai ici plus tard. Avec la pelle? Ah! Ok, c'est la pelle. Ouais. Pousse un peu plus fort quand même, hein, parce que sinon, on va y arriver. Merde. Mais ça me semblait compliqué avec une pelle en vrai. Hein. Ouais, d'accord. Je peux pas récupérer le petit bout de bâton. Pelle cassée. Mais... Putain, j'ai cassé la sainte pelle. Du coup, il va falloir trouver autre chose, ok. Bon... Et eh ben je reviendrai ici. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec ma pelle du coup? S'il a été coupé net, oui, en plus. Ouais. Bon alors, il faut trouver ce qu'on fait avec ce bout de pelle. Pour le moment. Parce que tu penses que je vais éteindre plus tard. À quoi pourrait me servir ma pelle? On va refaire un petit tour. Il y a beaucoup de choses. Pour ouvrir ça. Ça m'étonnerait, mais... Non. Là, il y avait un bout de code, mais juste un bout. Les genoux bleus, ça, j'ai pas compris. Hein. Genoux bleus. C'est verrouillé. Ça, c'est verrouillé. Ça, je peux rien faire avec. Ou alors des bleus, genre des bleus sur les genoux. C'est bruit random. Ça, c'est pareil. Pas bien compris. En plus, c'est la salle de bain, là, derrière cette... Ah non, d'accord. Ah, c'est peut-être pour plus tard. Hein. Peut-être quand je pourrais rentrer dans cette pièce. Moi, regardez les petits... je sais pas ce que c'est. On dirait des cookies. Ah, des cookies, ça, un cookie à la fraise. Avec des petits yeux. Ah, j'avais pas ouvert ça. Y'a rien.
c'est le dessin. Faudrait que j'aille essayer, je pense. Peut-être ça, mais sur l'autre horloge. Alors voilà, est-ce que... Eh ben non. Eh ben voilà. C'était ma seule idée. Voyons, il y a un truc que j'ai oublié de prendre en photo aussi, peut-être. En fait, il faut que je prenne en photo que les trucs importants, mais des fois... Des fois, on sait pas trop. Ah, attendez. Oui. Putain, il m'en faut une autre. Donne un coup de pelle. Je l'ai plus, l'autre, je suppose. Hein. Celle que je viens d'utiliser. Bah non. J'ai ça aussi. T'as pris en photo la corde pendue. Ah, peut-être pas, non. Bon, on a ouvert une partie, mais une seule partie. Bah merde, c'est pas là. Non, là, j'avoue, la corde, on l'a pas pris en photo. Ça a rien fait. Je vais retenter en cadrant mieux, mais... Merde, oh, j'ai rangé. Bon, de toute façon, il s'est rien passé. Parce que là, genre, prendre cet endroit-là en talent en photo, fallait trouver quand même. Il y a toujours ici, mais je pense que c'est verrouillé, genre je peux pas l'ouvrir, quoi. Putain, puis ici, il me manque toujours un code, hein.